ce matin sur la Cano. Bonjour à toutes et à tous. On commence la journée avec un temps variable. Il fait froid, la température extérieure est à 4 degrés, la température de l'eau est à 12 degrés, la marée est en train de finir de descendre, le plein bas est à 9h50, les coefficients sont de 60. Vous voyez au large là une grosse série, il y a 2,50 m, pas plus. Alors sur cette fin du descendant, le vent est side offshore sud-sud-est, un beau fort établi rafale à 2. Le plan d'eau est un peu ridé, mais c'est quand même assez propre. Et on a cette houle longue avec 12 secondes de période orientée ouest à ouest-nord-ouest, une houle qui est multipique à agiter en très nette atténuation, pour un déferlement qui est régulier à la hauteur de 2 mètres, et sur les scieries régulières il y a 2,30 m, et il y a ces grossettes comme on a vu en début de séquence à 2,50 m. Ça reste encore un peu agité du côté de la Cano, même si aux vagues intermédiaires il y a quand même quelques bouts qui passent, au large, au bord, mais c'est pas régulier, c'est pas deux fois au même endroit, donc c'est pas évident. Mais c'est beaucoup moins solide que les précédentes journées, beaucoup moins agité, il y a quelques bouts qui passent. Vous allez voir là la petite vague au bord, là elle, des fois elle passe, un coup oui, un coup non. C'est quand même plus favorable sur les spots de repli. Évolution pour le reste de la journée, la houle va un peu s'atténuer ce midi, rester stationnaire pour la fin de journée. La bouée Arcachon est à la baisse à 3,80 m et 8 secondes, on attend à 13h 2,50 m, houle ouest à ouest-nord-ouest, 12 secondes de période, vent de sud-sud-est 3 à 4 Beaufort, et à 17h 2,50 m. Houle ouest à ouest-nord-ouest, 12 secondes de période, vent de sud-sud-ouest, 5-6 Beaufort, des conditions quand même plus favorables pour les spots de reply. Bonne journée, on se retrouve à 11h30, à tout à l'heure, merci.